Nada Biez, directrice de l'ISCAE Casablanca. Nous sommes aujourd'hui dans l'économie de l'immatériel et le Maroc voudrait justement avoir de plus en plus un positionnement qualitatif en s'érigeant en tant que hub financier, pourquoi pas hub régional en matière d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation. Ceci nécessite évidemment un décloisonnement entre toutes les parties prenantes, à savoir l'entreprise, l'État, les institutions financières, les instances d'accompagnement, le patronat et les universités et business schools. Alors, dans cet esprit-là, effectivement, à l'ISCAE Casablanca, nous avons l'école doctorale et les premières promotions vont sortir cette année et un centre de recherche appelé le CERJI, justement pour la promotion et le développement de la recherche dans le domaine du management. Il est évident qu'avec tous les efforts que nous déployons, se posent les problèmes soulevés lors de la rencontre d'aujourd'hui, tels que les statuts des enseignants-chercheurs et l'autonomie en matière de gestion financière des établissements d'enseignement supérieur de manière générale pour mettre en place un système d'incentives pour drainer les meilleurs chercheurs, mais également pour attirer les talents et les étudiants et pour les intéresser et les pousser à faire de la recherche dans le domaine managérial ou autre de façon générale. Voilà, donc je vous remercie.